Yannick Sinner découpe Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev. Ils remportent le tournoi de Pékin il y a une heure maintenant, tout juste. On va débriefer bien sûr cette victoire parce qu'il y avait un plateau absolument exceptionnel à Pékin. Donc le vainqueur, nécessairement, il l'a mérité. Et vous allez le voir, les victoires contre Alcaraz et contre Medvedev en demi et en finale de ce tournoi de la part de Yannick Sinner ont été, je trouve, particulièrement intéressantes. Aussi au niveau de son évolution tennistique, vous allez le voir. On va détailler ça bien sûr d'ici quelques instants. Mais avant ça, c'est quoi cette qualité de vidéo là? C'est incroyable. Vous voyez littéralement tous les pores de ma peau. J'ai passé un petit step sur la qualité vidéo. Je pense qu'il était temps d'améliorer les conditions et la qualité à ce niveau-là. J'espère que ça va vous plaire. C'est aussi en grande partie grâce à vous, grâce à vos pouces, à vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et ça permet à la chaîne de continuer d'évoluer dans la bonne direction. Cette vidéo est du coup sponsorisée par les Winamis de Winamax qui m'accompagnent lors des temps forts de la fin de saison 2023. Et on a le tournoi de Shanghai qui a commencé aujourd'hui, qui va se poursuivre pendant 10 jours. Donc forcément, il y a des dingueries, il y a des grosses cotes. Les paris sportifs, vous le savez, c'est important, essentiellement réservé aux adultes. Ne dépensez pas de l'argent que vous ne sauriez perdre. Alors on a forcément des cotes intéressantes. On a des matchs qui vont être sympas dès demain. Le Kotov FIS. Ça peut être un petit bonbon des îles. Et puis on déroule un tout petit peu. Voilà, vous voyez toute la liste des matchs. Et il va y en avoir beaucoup avec certainement des angles sympas à trouver. Et moi, je vais regarder le Sinner Giron justement parce que Giron, assez chaud, quelques belles perfs ces dernières semaines. Et Sinner, faudra voir justement s'il est capable d'enchaîner après son titre à Pékin. Comme toujours, vous avez le lien dans la description jusqu'à 100 euros de free bet à la première inscription chez Winamax. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir si ça vous botte. Bot, Italie, Yannick Sinner, vous avez vu la transition exceptionnelle. Alors on va parler du coup de ce titre de la part de Sinner. Alors il sera quatrième mondial à la prochaine actualisation du classement. C'est un bordel monstrueux ces deux dernières semaines. Les tournois qui commencent un mardi, mercredi, qui finissent en milieu de semaine. Plus personne ne s'y retrouve. Mais bon, c'est comme ça, je ne sais pas ce qu'ils ont fichu. Soyons très clairs au niveau de l'ATP. C'était une victoire en plus qui était cruciale dans la carrière et dans l'avancement de Yannick Sinner. Il était mené avant cette finale de Pékin 6-0 face à Medvedev et il est arrivé très clairement avec un plan de jeu différent. Alors commençons tout de suite, si vous le voulez bien, avec le Alcaraz Sinner. Et ce qu'on a vu tout de suite dans cette opposition, dans ce match-up, c'est que Sinner, il n'a pas besoin de surjouer. Il peut se contenter de jouer son plan de jeu traditionnel. Et ce qu'il a parfaitement bien réalisé, je trouve, face à Carlitos dans cette partie, c'est qu'il l'a ciblé dans le replacement côté revers. Ça, si vous suivez la chaîne depuis quelques mois, vous savez que je fais souvent référence au match entre Alcaraz et Ramos Vinolas à Roland-Garros, où le joueur espagnol, le vétéran espagnol, avait exposé pour quasiment la première fois la faiblesse structurelle dans le jeu de Carlitos. Il a assez peu d'allonge finalement, c'est un joueur qui a des membres assez ramassés, contrairement par exemple à Yannick Sinner ou à d'autres joueurs qui ont cette laxité. Et Sinner, donc, il a mis à profit cet angle stratégique avec des contre-pieds côté revers, des fixations également. Et donc, on le voit, la position de Carlitos pour essayer de bien gainer, de bien repartir avec ce revers, c'est un peu plus difficile pour lui. On sait que c'est là peut-être que ça peut pêcher quand tu le prends de vitesse, quand tu le forces à défendre côté revers, alors que dès qu'il a un petit peu d'espace, qu'il est à l'intérieur du court avec son coup droit, c'est la merguez partie. Je vous montre un dernier exemple de cette position. Vous voyez encore une fois Carlos Alcaraz qui est désaxé ici sur son revers. Il y a un équilibre du corps qui n'est pas forcément bien tenu, donc on va faire une faute. Et comme très souvent dans cette position, c'est une balle qui va finir dans le filet. Ce ne sont pas des accélérations, des tentatives qui finissent très loin par exemple ici. Non, on voit qu'il est typiquement pris dans cette position. Et là où Sinner a été très fort, et la raison aussi pour laquelle je fais cette vidéo, et je pense qu'il a sorti deux de ses meilleurs matchs de la saison, c'est que, sans surjouer, mais quand même en étant, je trouve, pas loin de son plafond max, on avance, on coupe les trajectoires, on agresse Carlos Alcaraz, qui a du mal aussi forcément face à ce type de profil qui l'empêche de déployer son tennis conquérant avec des positions avancées, des amortis, des merguez, comme je vous l'ai dit. Quand il est ici, dans cette position, en train de chasser la balle à 2-3 mètres de la ligne de fond, forcément, il est désactivé, même s'il est capable, bien sûr, de réaliser des coups de défense et de transition exceptionnels. Mais Sinner a été brillant pour le prendre à la gorge, le mettre dans des positions inconfortables. Il s'est énervé en plus assez vite, Alcaraz. Vers la fin du premier set, il était déjà un petit peu en train de tilt. Et donc, il a saboté le revers de Carlitos dans un premier temps. Et ensuite, on a même vu le coup droit d'Alcaraz flancher ici, par exemple, dans cette
position, il va concéder le mini break sur une position plutôt avantageuse. Pourtant ici, il va pas réussir à convertir ce coup droit. Et le deuxième set de ce match, il s'est passé ici. D'ailleurs, Alcaraz s'est exprimé à ce sujet juste après la rencontre. Il a expliqué, je me suis trop énervé, j'ai pas réussi à garder mon sang-froid. Et c'est à mettre au crédit de Yannick Sinner, justement, qui a su le maintenir dans cette position d'inconfort. Et là, on l'a vu, hein, beaucoup parler avec Juan Carlos Ferrero, essayer de trouver des solutions, mais clairement, dans le deuxième set, il va même, je trouve, hein, lâcher la partie. Donc ça, c'était la stratégie face à Carlos Alcaraz, et on passe maintenant à la finale qui a eu lieu il y a quelques minutes maintenant, et vous allez le voir, on est sur une stratégie légèrement évolutive. Il a su moduler ce qu'il a proposé aujourd'hui, et c'est là, je trouve ça vraiment très très fort, parce que c'est un joueur, Yannick Sinner, on le sait, critiqué pour son absence de réflexion sur un court, toujours un peu voilà, sur sa baseline à envoyer des cartouches sans trop réfléchir. Eh bien, on le voit, depuis 2-3 ans, c'est un joueur qui n'hésite pas à mettre des petites pierres dans son jeu, à essayer en fait de s'améliorer petit à petit, en n'hésitant pas carrément à changer d'une manière drastique sa technique au service, par exemple. Et justement, sur cette finale, hein, ils ont très bien travaillé dans son clan, donc l'idée principale, déjà, c'était un service et un plus 1 ultra agressif. Alors, pourquoi spécifiquement face à Daniil Medvedev? Parce que Daniil, sa grande qualité, c'est la stabilisation après le service adverse. C'est-à-dire que il est à 3-4 mètres de la ligne de fond, il fait son retour idéalement très profond ici, dans ce rectangle magique, et son deuxième coup de raquette, il est déjà ici, juste derrière sa baseline, ou à 1 mètre de la ligne de fond, et il vient de stabiliser l'échange. En fait, il vient totalement de réduire à néant l'avantage de ton service, et son idée ensuite, c'est de durcir, c'est de partir sur des plans de jeu moyens, intermédiaires ou longs, donc 5 frappes, 9 frappes et plus, les échanges longs c'est 9 frappes et plus, et son idée hein, ça va être de verrouiller, ça va être d'extraire la faute, et Sinner sur les matchs précédents, il pouvait avoir cette forme d'impatience, et au bout de 5, 6, 7 frappes, envoyer une faute directe, et du coup bah, Medvedev il les prenait, et il dominait entre guillemets, aisément son adversaire. La deuxième stratégie concomitante de Yannick Sinner, c'était carrément de faire des services volés, donc pas des plus 1 agressifs, on va au filet, on avance, et il l'a surtout fait côté égalité. Alors ça, on l'a vu avec Kyrgios, avec Djokovic également, à Paris-Bercy, en finale de l'US Open il y a quelques semaines, donc tu es côté égalité quand tu es droitier, hop, service extérieur slicé. Ici, on a un point de contact de la part de Medvedev qui est très désaxé, très loin. Tu avances et tu n'as plus qu'à déposer une petite volée. C'est aussi ce qu'a réalisé Alcaraz lors de ses match-ups, les deux premiers face à Medvedev cette saison. On est du coup à 17 montées au total pour Sinner dans le premier set. C'est un volume qui est très élevé pour ce joueur. On le voit ici. Alors, beaucoup de Djokovic match sur cette finale de Pékin de la part de Sinner. Ici, elle va sortir d'un bon maître. Il aurait pu basculer à 5-3. Et en fait, le score, je trouve, c'est 2 fois 7-6. Il est flatteur pour Daniil. A noter que c'est Medvedev hein, qui a la première balle de break dans ce premier set. Mais il ne va pas réussir à remettre une petite défense côté coup droit. Un autre point important dans la stratégie de Sinner cet après-midi, c'est le court croisé ici dans cette position. Et je trouve ça remarquable parce que habituellement, ici, il va envoyer une banane flambée droit devant, il va essayer de frapper très très fort. Et là, j'ai apprécié cette modulation et aussi le travail sur le revers de Medvedev qui ici est pris un tout petit peu, vous le voyez, sur le contre-pied. On a tout la force qui est pied droit pour essayer de repartir sur sa gauche. Donc on ouvre ici, montée, hop, et on termine dans un deuxième temps. On a cru parfois voir Carlos Alcaraz à la place de Yannick Sinner. On se retrouve dans le tie-break de la première manche. Medvedev, tenez-vous bien, qui va servir à 87% de première balle sur ce set et qui va quand même réussir à le perdre. Et vous le voyez, on ne dévie pas, on ne modifie pas sa stratégie initiale du côté de Sinner. Et ça, ça peut arriver bien sûr aux jeunes joueurs qui, ok, alors c'est facile hein, d'avoir des velléités offensives en début de set, mais quand tu es en time break, tu vas retourner sur tes fondamentaux, tu vas être un tout petit peu plus passif. Ça n'a pas été le cas de Sinner, et franchement, il faut lui dire bravo. L'ironie et le symbole aussi de cette rencontre, c'est la diagonale. Vous le savez, Daniil adore verrouiller dans la diagonale revers, extraire des fautes, extraire des balles courtes, vraiment dominer son adversaire, lui dire, bah Coco, si tu veux remporter ce point, t'as intérêt à sortir un coup de mutant. Et bien là, c'est Sinner qui s'en est bien sorti, qui s'en est mieux sorti dans la diagonale revers. Alors ici, par exemple, on va appuyer très très fort, parce que forcément,
C'est dans la diagonale que vous avez le plus de distance et de sécurité en plus par rapport au câble. Donc il va appuyer, c'est vraiment là hein, qu'il va envoyer des pipites extraterrestres. Et on va voir souvent Medvedev à la peine ici côté revers à renvoyer des balles courtes sur lesquelles Sinner va pouvoir rentrer, s'appuyer et envoyer des soucoupes volantes. Et un dernier point tactique d'importance dans cette finale de Pékin, c'est l'amorti. Je trouve que Sinner les a bien utilisés. Ici, on a vraiment un énorme rallye hein, juste avant. Sinner qui va réussir à se repositionner après une très grosse défense de la part de Daniil. Et ici, pareil, hein, on garde son sang-froid. On panique pas, on voit Daniil, il est dans la smoule là, à 3-4 mètres de la ligne de fond, il sait pas trop quoi faire. Tac, la petite amortie. Et je trouve vraiment que Sinner a sorti une masterclass sur cette finale, aussi en demi-finale. Et donc, bah franchement, épaté. Vraiment, hein, j'ai trouvé, j'ai vu un Sinner là que j'espérais depuis un ou deux ans, franchement. Il a mis en place certaines choses, il a modulé sa stratégie en fonction de son adversaire. Contre Alcaraz, il savait que s'il jouait son A-game sans trop forcer, en avançant, en envoyant des pancartes à droite à gauche, en ciblant le revers, ça allait potentiellement le faire. Alcaraz qui a explosé dans le deuxième set. Et puis là, en finale, il fallait changer quelques petites choses par rapport à ce 6-0 initial. Il l'a fait, l'exécution était parfaite. Et donc, il se positionne, Sinner, comme le quatrième homme du circuit actuellement. Et en fait, on a un top 4, je trouve, très logique. Avec Novak, avec Carlitos, avec Daniil, avec Sinner. C'est vraiment les 4 meilleurs joueurs du circuit. Et je trouve que c'est bien, c'est intéressant là que Sinner recolle à ce duo qui s'est transformé en trio à l'US Open. Donc là, potentiellement, on a un quatuor. Je pense que ça risque d'être très intéressant à suivre sur la fin de la saison. Donne-moi, mon très cher Gaut, ton avis dans les commentaires si tu as regardé ce tournoi de Pékin. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et nous, on se retrouve très vite pour le tournoi de Shanghai, avec toujours cette caméra qui me déstabilise de par sa fluidité.